Moi, ça nous amène et c'est avec un peu de plaisir qu'il nous retrouve aujourd'hui, qui c'est vendredi 22 octobre, dans l'objectif pour nous ensemble conclusion de cette semaine. Mais bien avant même qu'il nous entre dans la conclusion de ce soir, nous prions le Seigneur. Nous bénissons, éternel, notre Père et notre Dieu, merci pour tout ce que vous faites pour nous et pour ce que vous comptez réaliser dans la vie. Nous. Tandis que nous allons mettre un thème avec le son école savoir ce matin. Nous demandons au Dieu qu'il nous intelligence pour nous comprendre tout point qui est obscur pour nous. Et nous va comprendre mettre en application parole ou faire grâce dans notre Jésus nous prions. Amen. Moi je voulais remercier, féliciter, encourager et fort que même vous consentez chaque jour pour capable arriver étudier leçon de l'école du sabbat. Et pas oublier chaque fois que ou même vous finissez étudier, vous avez un devoir pour capable partager les choses avec un entourage et comme ça plus monde capable arriver étudier leçon de l'école du sabbat. Et pas oublier sur pas de quoi abonner sur ma chaîne là nous encourager faire ça et encourager entourage faire même gens ensemble avec vous. Ben, semaine là, nous sommes dans la quatrième leçon pour le trimestre là, c'est-à-dire quatrième semaine. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est le thème ça que nous avons ensemble pendant toute semaine. Et verset pour nous mémoriser, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'était Deutéronome chapitre 6, verset 7. Nous te voyons leçon semaine là, il était centré sur trois grands axes. Eh bien, c'est remet bon Dieu. Pour quelle raison? Parce que bon Dieu était remet nous avant. Et l'en après bon Dieu, il faut que nous remettons bon Dieu avec tout cœur nous, avec tout, nous, toute force nous. Parce que bon Dieu, eh bien, lui-même tout, lui remet, non seulement remet nous en premier, mais lui remet nous sans réserve. C'est ça que fait vraiment ensemble avec vous. Lorsque l'en après bon Dieu, ça, eh bien, nous devons faire sans réserve. C'est-à-dire, faut que nous remettons bon Dieu parce que bon Dieu, il était remet nous avant. Mais nous te voyons dans la leçon, hein. Par rapport avec tout ça, bon Dieu fait pour nous, nous devons, bon Dieu, respect. Ça fait notre ouais, dans le cadre de cette semaine, le son a été montré, nous, auteur a été mis accent sur ça, nous voulons la crainte de Dieu, pour puissance, bon Dieu, pour autorité, pour souveraineté, et bien pour ça, bon Dieu, et bien, nous devons respect, nous devons, bon Dieu, servir, bon Dieu, et bien, dans l'amour et dans le respect. Et nous voyons l'autre bagage qui est vraiment important dans le cadre de cette semaine, non seulement nous devons aimer, bon Dieu, nous devons gagner respect pour bon Dieu, mais nous devons tout obéir à ça avec bon Dieu. C'était trois grands axes à eux. Que nous t'aurons dans le cadre de leçon semaine. Mais tout ça, nous venons par rapport avec ça que Christ lui-même lui fait pour nous. C'est ça que nous ensemble avec vous. Nous devons remettre en retour, mais remettre avec tout cœur, nous, toute notre tout force, nous. Il a dit remettre mon Dieu sans réserve. Et je dis, pour aller plus loin, et la croix de Jésus. Après Jésus fait tout le bagage pour nous, eh bien, la croix de Jésus, c'est pour la science et champ des rachetés pendant. Et les siècles éternels. C'est-à-dire, ça que Jésus fait pour nous à la croix, eh bien, c'est pour la science. C'est ça que eh bien, l'homme pourra chanter, c'est ça que l'homme pourra apprendre eh bien, pendant l'éternité. Non, Jésus qui est glorifié, nous allons contempler tout Jésus ça, qui est crucifié pour nous. Jamais, eh bien, nous ne pouvons pas oublier l'homme, pas oublier le monde qui est sauvé, nous ne pouvons pas oublier eh bien, qualité sacrifice que Jésus a fait. Lorsqu'il quitte le trône, il quitte toute bagaille, eh bien, pour qu'il soit capable eh bien, venir mourir pour nous, il quitte côté la recevoir adoration pour venir sur la terre, côté qui a humilié, côté qui a parlé le mal, eh bien, à raison pour que moi, ensemble avec vous, nous capables de gagner la vie éternelle. C'est-à-dire, Jésus portait péché l'homme. Jésus, d'accord, séparé ensemble avec Papa dans le ciel, côté qu'il a glorifié, eh bien, pour qu'il soit capable de venir sur la terre pour le souffrir, pour l'humilier. Ok, moi-même ensemble avec vous, nous capables de gagner la vie éternelle. Et la pensée que le Créateur de tout le monde, eh bien, il a comme étant habite destiné à consentir, eh bien, à déposer sa gloire et s'anéantir pour l'amour de l'homme. Eh bien, ça l'a prêté éternellement gravé dans l'esprit de l'homme, sacrifice que Jésus lui-même lui fait à la croix pour que moi-même ensemble avec vous, nous capables de gagner la vie éternelle. Et chaque fois, racheté, vous pouvez contempler la gloire du Père sur le visage rédempteur, vous pouvez penser avec trône bon Dieu qui a régné éternellement, et vous pouvez exprimer comme ça pour dire, eh bien, l'agneau a l'indigne, eh bien, l'agneau a quitté immolé à l'indigne, et qui a racheté nous, eh bien, par propre sang, c'est-à-dire sacrifier Jésus, eh bien, il va faire Jésus venir en tant que, eh bien, grand prêtre, c'est-à-dire Jésus, eh bien, pour le mériter. Eh bien, il était déjà mérité adoration, mais eh bien, à chaque fois, eh bien, nous pourrons penser avec sacrifice, eh bien, nous pourrons dire agneau qui était immolé, les dignes pour recevoir la louange,
l'honneur, mais l'exaltation de siècle en siècle, d'éternité en éternité. Comme d'habitude, de mon édition vendredi, il est toujours porté en pile réflexion. Il nous parle porter des analyses ou des réflexions sur partie leçon jeudi. Mais si nous avons la citation, il est noyé là, et côté il dit comme ça, et dans qui mesure nous avons doué, dans qui mesure citation, ça a l'état de aider nous, et comprendre pour qui ça, l'amour que nous gagnons pour bon Dieu, l'état de plus fort, que l'amour que nous avons éprouvé, que nous avons gagné pour nous qui n'a entourage nous. Réfléchis avec ça, le fait que bon Dieu, lui-même qui soutient le monde là, et c'est lui-même encore qui mourut pour nous sous la croix. Qui ça, ça lui-même, lui veut dire pour vous. Pour qui ça, vérité, ça, tu as doué fondement des relations que vous-même moi construit ensemble avec bon Dieu. L'autre réflexion encore pour journée, réfléchis avec ça, ça veut dire remets bon Dieu et gagne crainte pour lui en même temps. Qui ça, ça veut dire remets bon Dieu et puis gagne crainte pour lui en même temps. Et dans qui mesure, et ça est possible pour que nous. Eh bien, pour que nous doué effectivement remen et gagner crainte pour lui. Dans quel niveau où est-ce possible pour remen bon Dieu et pour que nous capable gagner crainte pour lui en même temps. Remen bon Dieu quand tout ça, quand tout bagage bien marché et si on va essayer. Mais remen bon Dieu tout quand on a traversé des moments difficiles, ça encore c'est un autre bagage. Et pour qui ça les plus important encore pour remen bon Dieu dans moment côté tout bagage pour aller mal. Ça c'est réflexion par encore pour journée. Et réfléchir avec des questions qui étaient dans la partie de son jeudi. Et dans quelle façon nous sommes capables d'expliquer avec les gens qui n'ont pas foi dans bon Dieu, ça, ça veut dire remet bon Dieu. Les gens qui n'ont pas foi, mais vous devez comprendre qui ça veut dire remet bon Dieu. Comment nous sommes capables, en tant qu'être humain, et remet les gens qui n'ont pas jamais physiquement. Et c'est répondre avec question ça. Et pour qui ça, nous pas jamais, et du moins, ça va important. Bien, ça pas étonnant. Parce que nous pas jamais bon Dieu. Bien, c'était et conclusion de ce semaine. Il y a des choses qui doivent apprendre nous pour que nous capables de bon Dieu, parce que bon Dieu lui-même nous aimait nous avant, pour que nous capables bien respect pour bon Dieu et pour que nous ensemble avec vous, nous capables obéir ensemble avec lui. Bien, en gros c'était conclusion de ce semaine qui c'était leçon 4. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Mais bien avant même que nous partions, nous prions bon Dieu. Papa nous qui dans ciel là, merci pour tout ce que fait pour nous et pour ça encore qu'on t'a réalisé dans la vie nous. Tandis que nous sommes étudiés, une autre portion, on a regardé toute semaine là, qui tout mettait fin avec les sons ça. Aidez-nous chaque jour pour nous comprendre parole et mettre en application dans l'écrit. Nous n'avons pas de mérite, mais nous pouvons consacrer nos Jésus. Amen. Déjà, bonne journée, bonne étude et que Dieu vous bénisse.